Là, ça va vraiment être ma dernière chance. Bonjour tout le monde, de retour sur la route pour ce quatrième jour après une nuit passée dans un charmant camping. Et ce matin j'ai discuté un peu avec la proprio qui m'a indiqué que c'était le camping le moins cher de France. Et oui, 6 euros la nuit, et qu'en plus apparemment il a été sauvé par Johnny Hallyday, car apparemment en faillite. Aujourd'hui je vais faire une première partie qui m'a été indiquée par la personne d'hier, c'est-à-dire la route qui me mène par l'école, en passant par le col de Fraisse. Et ensuite, on se dirigera vers la Suisse, gentiment. Donc, soit en prenant le tête, je sais pas exactement si je vais prendre le tête ou si je vais continuer sur les nationales. Ça va dépendre un peu de mon avancement. Mais voilà, de retour pour une nouvelle aventure. Yes. Allez, le plein est fait. Attenons-nous maintenant à trouver de la nourriture. J'avoue que j'ai pas trop envie d'aller dans le supermarché parce qu'il faut laisser la moto complètement chargée. Sans surveillance, ça me fait pas trop plaisir. J'évite à chaque fois. Donc on va essayer de trouver plutôt une petite supérette ou un truc comme ça vite fait dans un petit bourg. Quand soudain, j'entends un bang. Non, j'ai pas crevé. C'est pris dans le truc. Oh merde. Oh sa mère. Bon, j'ai cru que j'allais crever. C'est pas le cas. J'ai juste cassé une sangle, enfin un bout de sangle, mais j'en avais une deuxième. La première fois que je casse un truc là, c'est compliqué. Hein. Ah, bon ouais.
Allez, il fait beau. J'ai vraiment cru que j'avais crevé là en plus. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, non. C'est juste une petite casse temporaire. Allez, c'est pas grave, on est reparti. Oh, c'est mortel de chez mortel. Eh bien, demi-tour, hein. Demi-tour, il n'y a pas moyen de passer. Impossible. Impossible. Ni là, ni là. Impossible. C'est pas grave, on va refaire le même chemin. C'est trop dommage, parce qu'on y était prêt. Est-ce qu'on y était tout prêt? Oh non. C'est bon, en fait, c'est là où je venais. Donc là, théoriquement, ça me ramène vers la route... Oh la belle épingle. Yes, c'est bon. Je vois la route. On est officiellement sur le tête suisse. Est-ce que je suis en Suisse? Non, je pense pas. Hein. Ah oui, yes, on est en Suisse. Welcome to Switzerland. Yeah. Woo-hoo-hoo. Oh, quel kiff. Thank you.
ça se complique. Oh là là, ça se complique, ça se complique. Yes. Ouh. Yes, c'est ça, c'est là. C'est le chantier là. Aïe aïe aïe. Où est-ce que je suis tombé encore? Restaurant fermé. Pas grave. Parce que le camping est ouvert. Vraiment personne ici. Je vais voir si tu peux pas sonner à la porte à l'entrée. Bonjour, est-ce que vous parlez français? Allô? Do you speak English? Or French? Bon, allez, on va aller en suivant. Putain, ça en fout, il te répond pas, il te raccrochonné. Waouh, c'est beau hein. Le camping est fermé, je sais vraiment pas quoi faire. Là, ça va vraiment être ma dernière chance. Instant de vérité. Le verdict va tomber. Bien, bien dans la sauce. Mais je crois avoir trouvé une solution grâce à une petite appli qui va sans doute me sauver plusieurs fois durant mon aventure, qui se nomme iOverlander. On va aller voir à pied, ça me semble mieux. Par contre, si c'est ça, oh pétard. Oh pétard, ouais, ça a l'air pas mal. Ouais, c'est ça. Oh yes. Oh yes. On va faire comme ça, ça va être parfait. Oh yes.
Je suis actuellement sur les bords du lac de Neuchâtel. Je suis crevé après cette longue journée de route, mais ça en valait vraiment le coup. Les paysages sont magnifiques, j'ai hâte d'être demain pour continuer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, et je vous dis à la prochaine. Ciao.